Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Fabiana Moraes e está começando mais um Hora da Notícia. E nesse Hora da Notícia vamos falar novamente sobre a superprodução de Sandokan, que encerrou recentemente o processo de gravação, como você sabe. E a série está sendo muito falada em várias partes do mundo. Não só na Itália, como aqui no Brasil, mas também em outros lugares, com outros dialetos e culturas. E Sandokan apareceu até mesmo em uma matéria televisiva na França. E eu traduzi o vídeo para vocês acompanharem comigo. Mas antes, eu só vou pedir para você, e é rapidão, não esquecer de deixar nesse vídeo aquele seu like especial. Não esqueça também de fazer a sua inscrição aqui no canal, lembrando de ativar o sininho para receber todas as notificações. Recadinhos dados, bora não perder mais tempo e conferir comigo então essa matéria televisiva, mais uma aqui no canal, legendada, aonde falam sobre a produção de Sandokan. Confere aqui comigo. Du rêve sur écran à présent un pirate, son équipage face aux forces coloniales anglaises, un amour impossible, et La Réunion comme décor, nouveau tournage d'une super production dans l'île, la série Sandokan. Les anciens se souviennent peut-être de la série à succès dans les années 70. À l'affiche, vous voyez la star turque Kan Yaman, mais aussi Ed Westwick, le célèbre Chuck Bass de Gossip Girl, ou encore le britannique John Hannah, vu dans la saga La Momie et autres. Tout cela reste très secret, mais la caméra d'Inès Vic a pu s'immiscer sur le plateau de tournage. Reportage. Dans le ciel, un drone pas comme les autres. Il filme une scène d'une série italienne top secrète, Sandokan. Le casting est planétaire. Dans le rôle principal, Kanyaman, l'acteur turc mondialement connu. Son ennemi n'est autre qu'Ed Westwick, alias Chuck Bass dans Gossip Girl. L'histoire se passe dans les années 1800 sur l'île de Bornéo en Asie du Sud-Est, dans un décor tropical. La Réunion, un choix artistique. La chose incroyable de La Réunion, c'est qu'il y a beaucoup de différents paysages dans une île. La lumière que te donne le soleil ici, c'est très différent de la lumière qu'on a en Europe. La série raconte les origines du tigre de Malaisie et retrace la vie de Sandokan, un pirate qui vit au jour le jour. La Réunion, une évidence pour ce producteur. La première raison de notre choix, ce sont les décors. La seconde, nous sommes en Europe, donc pour nous, c'est pratique par rapport aux taxes et autres de tourner ici. Pendant 5 à 6 minutes par épisode, l'île sera reconnaissable. La cascade de Grand Galet, image d'ouverture de la série, mais aussi Tissable, Trou Noir, la rivière de Langevin, la forêt de Marlongue et Tiboucan. Le budget, 29 millions d'euros, une équipe de 267 personnes sur place, 32 Réunionnais font partie du projet. Avant tout ça, il a fallu faire du repérage. Quand on voit un décor, on voit peut-être deux ou trois comédiens, mais dès qu'il y a la caméra, il y a à peu près une quarantaine de personnes qui travaillent. Donc c'est quand même avoir l'accessibilité, par exemple, avoir un espace pour mettre ce qu'on appelle la régie. Donc il faut vraiment créer ces conditions-là et il faut identifier et anticiper sur les demandes. Une sortie prévue courant 2025 sur la chaîne italienne Public Rai Uno, mais également sur TF1. Deux autres saisons pourraient aussi être tournées à La Réunion. Então é isso, pessoal. Aqui tem vídeo diariamente, traduções, para vocês ficarem por dentro de tudo que rola com o ator turco Can Yaman e seus novos projetos. Muito obrigada pela presença de vocês aqui no canal. Deixo aquele meu beijo grande e nos vemos em breve com novas notícias e novidades. Fui!